Comment traiter une dermatite Par dermite, on entend généralement une inflammation plus ou moins sévère de la peau. Cependant, il existe différentes formes de dermite dont les causes peuvent être variées depuis une simple allergie à une substance jusqu'à des problèmes génétiques. Les symptômes de la dermite sont également très variés. On rencontre un dessèchement de la peau, des démangeaisons jusqu'à la formation de cloques cutanées dans les cas les plus sévères, le plus souvent. On peut traiter une dermite avec des médicaments en vente libre, des remèdes maison ou en modifiant sa façon de vivre. Dans les cas plus sévères, il faut prendre des médicaments délivrés sur ordonnance. Soigner une dermite de contact, peau irritée ou allergique. 1. Sachez reconnaître la dermite de contact. C'est une des formes les plus courantes de dermite. Ce type d'inflammation cutanée est causé par une exposition à une substance allergène ou simplement irritante. Comme celle provoquée par le sumac. Parmi les symptômes de la dermite de contact, on note une éruption cutanée localisée, des taches ou des boutons rouges, des démangeaisons point. Pour ce qui est des symptômes plus graves, on a noté des cloques et des dèmes. Les symptômes apparaissent rapidement après contact avec la substance incriminée. La dermite de contact allergique se caractérise par une éruption cutanée causée par un contact, même bref, avec un élément allergène. Il peut y avoir un temps de latence d'un à deux jours. La cause est parfois identifiée, comme le suc du sumac vénéneux, mais ce peut aussi être un métal, un parfum, une plante ou toute autre matière auquel on est ou devient allergique. La dermite de contact irritative présente une peau sèche, abîmée qui s'explique par un frottement répété et irritant. Elle peut, par exemple, s'expliquer par un simple lavage trop fréquent des mains mais aussi par l'utilisation de certains savons ou de détergents particuliers, de certains produits chimiques contenus dans tel ou tel produit que vous utilisez. 2. Nettoyez bien la zone irritée. Pensez par nettoyer abondamment la peau avec de l'eau chaude pour enlever toute trace du produit irritant. Lavez ensuite avec un savon neutre pour limiter l'irritation. Ne frottez pas trop fort pour ne pas fragiliser davantage la peau et créer ainsi un foyer d'infection. 3. Évitez d'entrer en contact avec le produit irritant, la première des priorités est de savoir quelle est la cause de votre dermite, la seconde, de la supprimer de votre vie. Vous pouvez soupçonner les produits cosmétiques, les parfums, les produits pour les cheveux, les bijoux, mais aussi certains savons, des produits ménagers. Si vous ne connaissez pas précisément la cause de votre dermite, évitez tout produit agressif ou parfumé et remplacez-les par des produits neutres, sans additifs. Évitez aussi d'être en contact avec les métaux dont sont faits les bijoux. Vous pensez avoir trouvé la cause de votre dermite de contact, parlez-en à votre médecin qui pourra faire pratiquer un test. Un patch spécial sera fixé sur votre bras et si le résultat est positif, votre généraliste vous donnera la conduite à tenir. 4. Protégez-vous du produit irritant, si vous ne pouvez faire autrement que d'être en contact avec le produit irritant. Pour des raisons professionnelles par exemple, il vous faudra trouver une protection, physique ou autre. Selon l'agent qui déclenche votre dermite, vous pouvez... Et des gants ou des vêtements protecteurs, appliquer une crème de protection cutanée, recouvrir régulièrement vos bijoux d'un vernis, à ongles, par exemple. 5. Prenez un antihistaminique par voie orale si les démangeaisons sont importantes. Vous pouvez prendre, par exemple, du Benadryl en vente libre au moment du coucher afin de calmer les démangeaisons durant la nuit. 6 Appliquez régulièrement une crème hydratante. Protégez les zones irritées et hydratez la peau à ces endroits afin de faciliter la cicatrisation. 12 cette crème ne doit contenir ni parfum ni alcool et être hypoallergénique, il en va de votre guérison. Lors de l'application d'une pommade, d'une crème ou d'une lotion, étalez une certaine quantité de produit, voire la notice, dans le sens des poils. Il ne faut pas la faire pénétrer. En effet, le produit doit faire une barrière pour éviter la déshydratation de l'épiderme. Si votre produit hydratant ne fait pas d'effet, prenez-en un autre. Soyez également attentif à la survenue d'autres symptômes, surtout si vous ne connaissez pas l'origine de votre dermite de contact. 7. Atténuez vos symptômes en prenant des bains froids. Les lésions suintantes, douloureuses peuvent être traitées avec des bains froids ou tièdes, mais non chauds. Certes, ces bains ne permettent pas de guérir, mais rendent votre peau plus hydratée, plus douce, ce qui permet de mieux supporter l'affection. Passez dans votre bain du bicarbonate de sodium ou de la poudre d'avoine colloïdale afin de calmer les irritations de la peau. Si vous ne pouvez pas prendre de bain froid, utilisez des compresses humides et froides. L'irritation devrait décroître. Appliquez cette compresse durant 15 à 30 minutes consécutives et répétez l'opération aussi souvent que nécessaire. 8. Dans les cas graves, appliquez une pommade au corticoïde. Si les remèdes maison se sont révélés inefficaces, utilisez une pommade au corticoïde. Il en existe en vente libre, mais pour plus d'efficacité demandez à votre médecin de vous prescrire un corticoïde, en pommade, en gélule ou en injection. Les corticoïdes sont interdits pour les enfants de moins de deux ans. Pour les femmes enceintes, il en existe à moindre concentration, appliquez la pommade une fois par jour. Le traitement ne doit pas dépasser deux semaines sans avis médical. 9. Si les symptômes perdurent, prenez rendez-vous avec un dermatologue. La dermite de contact peut se soigner en 8 à 15 jours avec des remèdes maison, des produits pharmaceutiques en vente libre ou en changeant de mode de vie. Si votre dermite ne s'est pas améliorée en deux semaines, prenez rendez-vous chez votre dermatologue. Il vous préconisera des séances de photothérapie, des immunosuppresseurs ou tout autre traitement adapté. Il pourra aussi prescrire d'autres corticoïdes plus puissants pour calmer l'inflammation et éventuellement un antibiotique si votre peau s'est infectée. Vous devez également consulter si vous avez perdu le sommeil, si vous avez des difficultés respiratoires ou si votre travail est affecté. C'est le cas si vous avez toujours mal ou si votre peau s'est infectée ou forme des cloques.